Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Il fait très très froid. Il fait 1 degré. Bon, vous avez vu quand même la vue magnifique pour ce chantier. Mais c'est un chantier de quoi? Eh bien, c'est un chantier de chenilles processionnaires, du pain. Vous avez les petites chenilles dans les cocons blancs? Et aujourd'hui, moi, je vais enlever des cocons avant que les chenilles descendent dans la terre. J'ai à peu près 9 pins parasols à enlever tous les cocons. Donc je vais vous montrer ça, à de suite. Allez, c'est parti. Et voici le premier. Dédé, j'ai fait la première partie avec la petite canne jaune qui monte jusqu'à 6 mètres de haut maximum. Vous connaissez la canne à frelon? Et bien la canne à frelon peut me servir aussi pour couper les cocons. Je vais vous montrer ça. Donc là c'est la canne jaune, j'en ai plus besoin. Et là c'est le sac de la canne à frelon. Et ça c'est ce qu'on va rajouter à la place du pic. Vous savez là où on envoie la poudre. Alors voilà, la canne à frelon se transforme en canne à cocon. Donc là, notre raccord pour monter jusqu'à 20 mètres pour aller faire les nids tout en haut. Bon allez Dédé, après 5 heures de boulot, d'avoir coupé tous ces cocons, ces accès très difficiles, surtout en hauteur, avec la perche, c'est pas toujours facile. Je vais quand même vous faire plaisir, je vais ouvrir un cocon devant vous, comme ça vous allez voir comment c'est dedans. Bon voilà le cocon. Il est un peu mouillé, mais il est lourd. Donc on va tailler au milieu, on va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Pour l'instant, de la terre et rien du tout, pas de chenille. Est-ce normal? Ah, ils sont là, vous les voyez? Bon, vous les voyez, ils sont magnifiques. Chenilles. Bon, c'est pas la saison pour sortir des cocons encore. Dans un mois, ils vont sortir. Donc là, ils sont un peu surpris. Bon, ils sont contents, ils vont passer sur YouTube. Bon, on va finir par ces belles images. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Snapchat maintenant, sur Instagram aussi, sur Facebook. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt les Dédés.